Bonjour quatrième et bienvenue à notre deuxième leçon de français. Leçon numéro 2. J'espère que vous allez toutes bien et que vous avez bien révisé votre leçon la semaine dernière. الأماكن بالنسبة لبعض. يعني نستخدم لليو أسماء لليو لا بوشيري لا بولونجيري لا سينما لا 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 et les prépositions de lieu à côté, devant, derrière, entre, tout. Franchement, c'est pas très facile, c'est un peu difficile. Mais de choisir تركيز بدو فيه. فبدي تركز معي من محتاج لليو ولا آخر. مهم كتير الدرس هلا خلينا نشوف الفيديو مع بعض وبآخر الفيديو برجع بقولكم بأكد عليكم كمان شو لازم نسوي للواجب هذا الأسبوع Notre leçon aujourd'hui porte sur l'itinéraire 2. Dans cette leçon, on va apprendre à décrire une ville. Décrire. Faire la description d'une ville. Description. Nosef el Madine. On va apprendre à décrire. Nosef el Madine. Dans la ville, il y a. Dans la ville, il y a beaucoup de choses. Il y a. Vous voyez l'expression il y a en jaune? L'expression il y a كتير 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 مهم بالوصف. دايما لما نوصف نستخدم il y a. Il y a يعني there is. يوجد. عم نوصف صورة أو مدينة أو مكان. نحكي il y a وبنحكي شو في في المكان هذا. Pour la ville, pour décrire la ville, on commence avec Dans la ville, il y a plus un lieu. C'est هيك راح نبلش جملتنا لما بنوصف. Dans la ville, dans préposition de lieu, dans la ville, il y a. Ensuite, on va dire le nom d'un lieu. Une boucherie, une pharmacie, un hôtel, un hôpital. في المدينة يوجد بدنا نكمل نحكي شو موجود في المدينة. Alors, dans la ville, il y a. Après il y a toujours un article indéfini. Il y a تاخذ toujours بعدها article indéfini. Indéfini يعني un ou une يعني إشي مش معرف. Il y a un, il y a une. Bien sûr, il y a un avec les noms masculins, avec les lieux masculins. Dans la ville, il y a un cinéma. Dans la ville, il y a un musée. Dans la ville, il y a un hôtel. Dans la ville, il y a un hôpital. Dans la ville, il y a un centre commercial. Une avec les noms féminins, les lieux féminins. Dans la ville, il y a une pharmacie. Dans la ville, il y a une boulangerie. Dans la ville, il y a une école. Dans la ville, il y a une poste. Dans la ville, il y a une boucherie. Et dans la ville, il y a une pâtisserie. Bien sûr, هذا أول جزء عنا. بس إحنا ما بدنا نضل نقول نوصف المدينة نقول dans la ville il y a un cinéma et dans la ville il y a une école et dans la ville il y a une pâtisserie. No, هذا مش وصف. إحنا بدنا نوصف بالمدينة هاي. بلشنا مثلا في البولونجيري. D'accord. Dans la ville il y a une boulangerie.
À côté de la boulangerie, il y a un hôpital, par exemple. بدنا نوصف بالنسبة للأشياء بالنسبة لبعض. يعني مثلا كيف إحنا ليكول تبعتنا مدرستنا إقبال المدرسة في نجار جنب النجار في سوبر ماركت على يمين السوبر ماركت جنس باكيت كيليا المهم هيك نكمل داكور طبعا Pour continuer la phrase, on aura besoin des prépositions de lieu. Les prépositions de lieu, نعرفهم قبل, رجعناهم هداك الأسبوع, وهلا درجعهم معكم كمان مرة. Devant, devant, أمام, derrière, derrière, خلف, à côté de, jambe, ici. Entre, entre, لما نحكي بين الشيان, entre, بين الشيان. À gauche de, à gauche, شمال. À droite de, à droite, يمين. En face de, مقابل. Au bout de la rue. Au bout de la rue, هاي جديد. Au bout de la rue, يعني شايفين كيف شارع, la rue, au bout de la rue, يعني بآخر الشارع, في نهاية الشارع. Au bout de la rue, a u voyelle composée, ça se prononce O. Bout, o u voyelle composée, ça se prononce O. Ou T, c'est muet. Alors, bout, O. Bout, au bout de la rue. C'est comme à la fin de la rue. À la fin. Nihaye. Au bout de la rue, yani akhir el-shara. Alors, hik sarayna deux phrases. Pour décrire la ville, on a déjà deux phrases. Première phrase. Dans la ville, il y a, nizakar, il y a, c'est très important. Il y a, ça veut dire yujad. Ou بعد il y a, toujours il y a un article indéfini. Indéfini, yani un à une. Aoudé, bien sûr, parce que nous avons besoin de parler du pluriel, alors on va faire singulier. Dans la ville, il y a un à une. Un avec les masculins. Il y a un cinéma, il y a un musée, il y a un hôtel, il y a un hôpital, il y a un centre commercial. Une pour les féminins. Il y a une pharmacie, il y a une boulangerie, il y a une école, il y a une poste, il y a une boucherie, il y a une pâtisserie. Deuxième phrase. Phrase numéro 2. Bad. Manehki dans la ville, qu'est-ce qu'il y a? Manehki an had l'ishi li hakina fi awal phrase. بالنسبة إله شوفي شوفي حواليه شوفي جنبه باله وراه قدامه إذا بدنا نستخدم بريبوزيسيون دو ليو في تاني جملة devant à côté de à droite de à gauche de en face de entre derrière etc بس الفرق إنه مع البريبوزيسيون دو ليو On n'utilise pas les articles indéfinis. On n'utilise pas un ou une. Après les prépositions de lieu, on utilise articles définis. معرف, le, la, l'apostrophe, les pour le pluriel. ما بدنا les. هلا خلينا نحكي le, la, l'apostrophe pour le singulier. طب ليش؟ ليش هون حطينا article défini ou il y a حطينا بعدها article indéfini؟ il y a عم نحكي عن إشي بنقدمه هلا ما حكينا عنه قبل فهو مش معرف حطينا un il y a une boulangerie devant la boulangerie dont j'ai déjà parlé اللي already أنا حكيت عنها هلا صارت معرفة
فما بقدر أقول devant une boulangerie devant la boulangerie البولانجيري اللي حكيت عنها هلا يعني زي ما أحكي بالعربي في المدينة في مخبز قدام هذا المخبز already إحنا عرفنا المخبز عشان هيك بنحط قل التعريف c'est pareil en anglais et bien sûr les articles définis كمان بعتمدوا على الفيمينا والماسكولا بس في عنا هون كمان الفويل الفويل بياخد الأبوستروف نمبورت سيتي فيمينا أو ماسكولا ما بفرق سي توجور الأبوستروف مادام ببلش في فويل أو أش ميوي معناته بدنا نحط الأبوستروف لو بور لي نو ماسكولا لا بور لي نو فيمينا par exemple devant le cinéma devant le musée devant l'hôtel HMUE, devant l'hôpital HMUE, devant le centre commercial, devant la pharmacie, devant la boulangerie, devant l'école voyelle, devant la poste, devant la boucherie et devant la pâtisserie. خلينا نعمل اكزامبل مع بعض نشوف كيف نوصف المدينة Voici une rue et il y a un centre commercial. Alors, je dis dans la ville, il y a un grand centre commercial. Dans la ville, je me l'ai fait dans la ville, في المدينة. Il y a إليا حكينا بتاخد بعدها توجور أرتيكل أندفيني أون بس هون عنا سنتر كوميرسيال سنتر كوميرسيال سي ماسكولان ألور سا برون أن غرون بيان سور سي أن أدجيكتيف أون بو ليسي تومبي نقدر نستغني عنه نقدر نحطه برجع إلكم إليا أن غرون سنتر كوميرسيال Il y a un centre commercial. Il y a un petit centre commercial. Alors, on a ajouté une pharmacie maintenant. Hatena pharmacie à l'autre côté. Et bal le centre commercial à Atani Balof Share Fishare Benhom. Hatena pharmacie. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Dans la ville. Il y a un grand centre commercial. En face du centre commercial, il y a une pharmacie. Pharmacie, c'est féminin. Il y a, article indéfini. Il y a une pharmacie. Où est-ce que j'ai la pharmacie? En face du centre commercial. Tu peux te compter au loli. En face du centre commercial. Non, ajoutez du. Et tu as dit la préposition de lieu, bien de bâtir homme, le, la, l'apostrophe, article défini. Tu as dit la, le, voilà, la, voilà, l'apostrophe. Mais non, ajoutez du. Et là, je suis en fait préposition de lieu, je suis en train de lieu. Fienne, quatre prépositions de lieu, mais les arènes homme, bien de bâtir homme, deux. À côté de, à gauche de, à droite de, en face de. Hai de, pas de dernier dernier à nom, mais d'un ou à côté le restaurant, à côté la boucherie, en face le musée. Ça ne marche pas. Là, c'est une hôte de. Hé, mal expression, Kamel. En face de. Ça, c'est une mouche qui l'a bien fait. هون حطينا en face du مش de en face du centre commercial il y a une pharmacie طب من وين اجت du هاي لا هي de ولا هي le وين راحت le طيب هلا في مشكله انه في الفرنسي ما عندنا expression اسمه de le هذا الاشي مش موجود بالفرنسي de و le مع بعض ça n'existe pas لما قلت de و le بنجمعهم مع بعض نسميهم article contracté. Article contracté يعني لما نجمع deux articles في article واحد. En face de
مع le بتصير en face du. إذن du هي عبارة عن de و le. En face de le بتصير en face du. À côté de le بتصير à côté du. À gauche de le بتصير à gauche du. À droite de le بتصير à droite du. إذن du من وين أجت؟ هي الدو واللو لما التقوا مع بعض جمعناها صاروا توينزز وصاروا كلمة واحدة اسمها دو. لأن هذا الفرق بين الدو والدو دايما بمرقوا علينا وانتوا بتخربشوا بالقراءة. دو بتقرأوها دو والدو بتقرأوها دو ولكم فرق كبير بينهم. نو دو لحالها دو. الدو هي عبارة عن دو بلس لو. Bien sûr, هذا seulement avec le masculin. La ana et le, il a le masculin. Avec le féminin, ça marche. Ça marche bien. On peut dire de la boulangerie, de la pharmacie, de la boucherie, de la pâtisserie et de l'école. Avec les voyelles aussi. De l'école, de l'hôpital, de l'hôtel. À l'apostrophe, ça marche. Là, ça marche. Seulement avec le. De ma le, ça ne marche pas. Alors, à notre ville. Dans la ville, il y a un grand centre commercial. Première phrase. Deuxième phrase. En face du centre commercial, il y a une pharmacie. Deuxième phrase. Troisième phrase. Hala chou ana de fête. Hatte théâtre. Hatte to jambel pharmacie. Voici la pharmacie ou le théâtre est à côté. Alors, à côté de la pharmacie, à côté de. Parce que la pharmacie, c'est féminin. فمعنا مشكلة نقول de la. خليناها مثل ما هي. À côté de, دلت مثل ما هي. Ou la pharmacie, là, la préposition de lieu, بياخدو article défini, par exemple, le, la, l'apostrophe. Alors, à côté de la pharmacie. Il y a. Il y a شو حكينا دائما بدها بعدها. Très bien. Article indéfini. Un, une. Il y a un ou il y a une. Théâtre. Théâtre, c'est masculin. Alors, je peux dire un ou la une. Oui, il y a un théâtre. Bravo les filles. Alors, شو نستنتج من اللي حكينا قبل؟ إنه après les prépositions de lieu لازم نحط le, la, les. إذا كان les prépositions de lieu devant, derrière, entre. أو بدنا نحط de à l'apostrophe, de la, du. إذا كان les prépositions de lieu en face de, à gauche de, à droite de, et chez Biarod de. Par exemple, devant le boucherie, devant la boucherie, devant le cinéma, devant l'école, en face de l'école, en face de la boucherie, en face du cinéma. وبنستنتج كمان إنه il y a après il y a toujours un article indéfini. Un, une. Après il y a بنحط un, une. C'est bien? D'accord, on continue. خلينا نضيف كمان جملتين عشان نشوف كيف هون مع الألوان. الpréposition de lieu بلون, النوم féminin بلون, النوم masculin بلون, expression il y a بلون. Dans la ville, il y a un centre commercial. Dans, préposition de lieu. Abado, aja, article défini. La, la ville. La, la, la ville, c'est féminin. Il y a.
il y a تاخذ article indéfini un centre commercial. Centre commercial c'est masculin et un حطينا un. En face, vous voyez en rouge, il y a les propositions de lieu. Donc, en face, à côté de, derrière, à gauche. En face du centre commercial. Un centre commercial, c'est masculin. En fait, une hall de le centre commercial. En face de le centre commercial. Parce que nous avons acheté du Mabius Bot, n'est-ce pas, de le en français. نجمعهم مع بعض بصيروا كلمة واحدة بصيروا du article contracté اسمه du en face du centre commercial il y a تاخد بعدها article indéfini أو une pharmacie c'est féminin en rose une pharmacie à côté de la pharmacie est déjà connue معرفة فوق حطينا هون la pharmacie. À côté de la pharmacie, préposition de lieu, bière de baïtra, la, le la à l'apostrophe. À côté de la pharmacie, il y a un théâtre. L'hadhon hakinahom, kamel, numéro 4. Derrière le théâtre. Derrière ma fille baïtra 2. Derrière l'hal habtiji. Théâtre, c'est masculin. Ou préposition de lieu, bidhom, article défini. Le, la, à l'apostrophe. Alors, derrière, le théâtre. Il y a, bidhabaita, article indéfini, un ou une. Shulkilman, restaurant. Restaurant, c'est masculin. Alors, n'anhot un ou la une? Bien sûr, un. Derrière le théâtre, il y a un restaurant. 5. À gauche, 2. À gauche, préposition de lieu. À gauche, 2. Fimaha 2. Restaurant, c'est masculin. Mafroudin oul, à gauche, de le restaurant. Mais ça ne marche pas. Ma fille est chez de le. Alors, à gauche, du restaurant, il y a article indéfini, un ou une, hôpital. C'est masculin. Alors, ça prend un. Il y a un hôpital. Très bien, les filles. On continue. Ici, j'ai fait une ville pour vous. Mettez comme ça, il m'a dit le Hiloué. Ou bien, je vais vous montrer ça. Ou bien, je vais vous montrer la ville que j'ai fait. Vous, à la fin du cours, vous allez vous montrer la ville et vous montrer. خلينا نبلش طبعا لما بدنا نوصف بدي اختار انا اليو واحد ابلش منه واحكي باقي الاشياء عالتدريج خلينا نبلش باقرب اشي شو شايفين عنا اقرب اشي اللي هو البوشيري alors je vais commencer avec la boucherie dans la ville il y a une boucherie. Derrière la boucherie, il y a une bibliothèque. Alors, dans ma ville, il y a une boucherie. Derrière la boucherie, il y a une bibliothèque. À côté de la bibliothèque, à côté de la bibliothèque, il y a une poste. Vous voyez la poste? Allez, risale fo'o. À côté de la bibliothèque, il y a une poste. En face de la poste, en face, fichare benhom, balbad, en face de la bibliothèque, il y a un musée. Ça, c'est un musée. شايفين في فوق زي إشي فن musée متحف. Alors, en face de la poste, il y a un musée. À droite de la musée, à droite, et pardon, à droite du musée,
À droite du musée, il y a une pharmacie. À droite du musée, il y a une pharmacie. À la yamine, le musée, il y a une pharmacie. Alors, on fait banat, mon kenny, ou le madame, la pharmacie, c'est à gauche, à la chemin, le musée. هون هذا برجع إشي شخصي. كيف أنتوا شايفين؟ أنتوا عم توصفوا الصورة بالصورة دكور. إذا عم توصفوها هيك بتطلعوا بتقولي أوكي الفارماسي جاي على الشمال والميزي على اليمين. بس أنا مثلا وصفتها إنه أنا اعتبرت يعني لو أنا واقفة في الميزي وين الفارماسي بتيجي؟ أدغوت على اليمين. لو أنا الميزي الفارماسي على يميني. فهذا برجع لكم يعني كل حدا حر كيف بده يوصف ما رح أرجعكم عليه أو أحاسبكم إنه يمين وشمال هذا أغوش وأدغوات برجع لكم تاكا؟ ألا أدغوات دي ميزي إليا إن فارماسي أون فاس دي لا فارماسي أون فاس دي لا فارماسي كيس كيليا أون فاس دي لا فارماسي لما نقطع الشارع هناك كيس كيليا إليا أن كافي En face de la pharmacie, il y a un café. Machine my into, j'ai fait le café. Très bien. Alors, à côté du café, à côté de, café c'est masculin, le café. À côté du café, il y a une boulangerie. À côté du café, il y a une boulangerie. Entre le café et la boulangerie, il y a une école. Vous voyez l'école? L'école est entre le café et la boulangerie. Et j'ai bien le matin, mais je suis bien le zapt et la water. Parce que je suis bien le Alors, entre le café et la boulangerie, il y a une école. Comme on a dit avant, entre, on va dire بين اشيان. Ma بزبط نقول entre le café, il y a une école. كيف يعني بين القهوة في école? بين القهوة والبولونجوري, il y a une école. À gauche de l'école, il y a une boutique. À gauche de l'école, il y a une boutique. Boutique, le boutique awaï, mahal awaï. On connaît ce mot. Au bout de la rue, au bout de la rue, qu'est-ce qu'il y a au bout de la rue? J'ai fini. Au bout de la rue, akhir shara. J'ai fini mon bichlas shara. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, un cinéma. Au bout de la rue, il y a un cinéma. Alors, c'était pas si difficile. Chalat sab, ça? خلينا ناخدهم جملة جملة. Alors, dans la ville, il y a une boucherie. Il y a, تاخد بعدها un ou une boucherie. C'est féminin, alors il y a une boucherie. Derrière la boucherie, derrière préposition de lieu, بدها بعدها article défini. Boucherie, c'est féminin. Derrière la boucherie, il y a une bibliothèque. Vous voyez, chez Finfe Jasmine, elle boucherie. Derrière la boucherie, voilà, j'ai une bibliothèque. Derrière la boucherie, il y a une bibliothèque. D'ailleurs, une bibliothèque. Je fais j'en pas. À côté de la bibliothèque, il y a une poste. À côté de la bibliothèque, voici la bibliothèque. À côté de la bibliothèque, jambe la bibliothèque. Il y a une poste. N'oubliez toujours l'article défini, بعد la préposition de lieu, article indéfini, بعد il y a. هذا كتير مهم بنات. Ensuite, le poste. شوفي بالو. En face de la poste, il y a un musée. En face de la poste, en face de la poste, article défini, il y a un musée. Il y a un musée. C'est fin de soudre qui est fin de l'homme chère. Nous avons mis en face. Balbat. Musée.
جنبه في إيليا إن فارماسي. وين الفارماسي جاي؟ حكيت لكم برجعلكم. بتقدر تقولوا أغوش دي ميزي. أنا حبيت أحكي أدغوات دي ميزي. أنا حطيت حالي محل الفارماسي، محل الميزي. ما وصفت الصورة كصورة، وصفت كأنه حقيقة. أدغوات دي ميزي إيليا إن فارماسي. أدغوات دو، أدغوات دو. Musée, c'est masculin. Le musée. À droite de le musée, ça ne marche pas. Même les deux de le, parce que à droite du musée, il y a une pharmacie. On continue. En face de la pharmacie, il y a un café. En face de la pharmacie féminin. De la pharmacie, il y a un café. En face, Fibenham, une rue. Il y a une rue entre la pharmacie et le café. Alors, la pharmacie est en face du café. En face de la pharmacie, il y a un café. À côté du café, il y a une boulangerie. À côté du café, il y a une boulangerie. À côté de le café. Café, c'est masculin. De le, ça ne marche pas. Alors, on dit du. À côté du café, il y a une boulangerie. Alors, entre le café et la boulangerie, il y a une école. Entre le café. Vous voyez, le café et la boulangerie. بينهم بالنص لورا كيس كيليا إليا إن إيكول entre le café entre préposition de lieu بدها بعدها article défini le café la boulangerie entre le café et la boulangerie il y a une école à gauche de l'école il y a une boutique à gauche de l'école Il y a une boutique. Vous voyez ici, deux à l'apostrophe là. Non, école commence avec un voyelle. Deux, bdalha deux. À l'apostrophe, ma école. À gauche de l'école, il y a une boutique. Au bout de la rue. Au bout, vous voyez la rue? Au bout de la rue, après la rue, après le charret, il y a Un cinéma. Au bout de la rue, il y a un cinéma. Maintenant, vous ouvrez vos cahiers d'activité. Zigzag, unité 4, leçon 2. Le cahier d'activité, pas le livre, le cahier d'activité. Unité 4, leçon 2. Ici, il y a un petite activité sur les prépositions de lieu, sur la description. Un peu de logique. Écris le bon prénom à la bonne place. Vous devez écrire les prénoms des personnages, les prénoms à la bonne place, à l'étiquette. كل بيرسوناج كل شخص فيهم في طالع منه اتيكيت و devez écrire leur prénom كيف نعرف البرينوم تبعونهم من الوصف اللي في الجمل alors il y a 6 personnes 6 1 2 3 4 5 6 personnes 4 garçons et 2 filles 4 garçons et 2 filles vous devez connaître leur prénom On lit les phrases ensemble. 1. Pierre est en face de Yanis. Pierre est en face de Yanis. D'accord, mais on ne connaît pas Pierre, on ne connaît pas Yanis. Le sommes choix de Hon, min Pierre ou min Yanis, ma mne d'arnara. Jouf 2. Yanis porte un pull rouge. Yanis porte. Qu'est-ce que ça veut dire porte?
Il porte un pull rouge. Vous vous souvenez, أخذناها بصف ثالث. Porter un pull بالوصف لما نوصف الأشخاص. Pull blouse souf. Alors, Yanis porte un pull rouge. Qui porte un pull rouge? Oui, c'est clair. Alors, c'est Yanis. Vous écrivez Yanis dans l'étiquette. Écrit Yanis. And le garçon qui porte un pull rouge, تكتبو Yanis في الاتيكيت تبعته. Alors, madame, عرفنا Yanis. Maintenant, on peut savoir c'est qui Pierre. نرجع à la جملة الأولى. Pierre est en face de Yanis. Pierre est en face de Yanis. عرفنا Yanis. Pierre est en face de Yanis. Alors, qui est Pierre? D'accord, très bien. Numéro 3. Théo a les cheveux frisés. Théo a les cheveux frisés. Mais il y a deux garçons avec les cheveux frisés. On ne sait pas qui est Théo. Un autre garçon a les cheveux frisés. Vous avez déjà les cheveux frisés? J'espère. 4. Antoine est derrière Théo. Antoine est derrière Théo. Alors, hekarifna. Antoine derrière Théo. Manato Théo devant Antoine. Théo, harifna izanhoe, c'est avec les cheveux frisés. Ou Théo, pardon, Antoine derrière, voilà. On continue. 5. Léa est en face de Théo. On connaît déjà Théo. Léa est en face de Théo. Léa en face de Théo. Qu'as-tu Théo? Ok, alors, où est Léa? Elle est en face. Vas-y, écrivez Léa. Octobuha. Très bien. Et maintenant, Alice. Alice est à côté de Yanis. Alice est à côté de Yanis. C'est clair? C'est facile? D'accord. On va passer maintenant à l'activité suivante. Et la page avant? Unité 4, leçon 2. هون ما بدي تحلو على الكتاب لأنه الأكتيفيتي مش طالبة هذا الإشي منكم طالبة إشي تاني الأسبوع الجاي لسه رح ناخده ألو بدي منكم إشي تاني وفي ستين كارت دي فيل عنا هون خارطة المدينة بلان دي فيل وفي عنا لليو عنا بيسين لا بيسين الموزي إن بيبليوتك La gare, un cinéma, un restaurant, un stade, stade le stade, c'est le film Barayat, stade, la riada, librairie, la pharmacie, un supermarché, une boulangerie, et le zoo et l'école. Petit minkom, tuktubu, à la daftarkom. Min 3 à 5 phrases. 3, 4, 5 phrases. Adma b'tiqdaru. Tursifou li fihom hay il-madine. Vous écrivez des phrases complètes. Tihkou masalan à côté du cinéma, il y a un supermarché. Derrière le supermarché, il y a une pharmacie. En face de la piscine, il y a une bibliothèque, etc. Non, au travail. Tiens, allez, la chourol, hadal usbou. Le travail, cette semaine, c'est très intéressant. Tirement à la hikoun. Je vais envoyer un document Word sur l'assignment. Je vais vous envoyer l'assignment.
document word. في هذا الدوكيمون إليا إن روي كوم سا، مرسوم شارع. هلا اللي ما عندها برينتر ما بتقدر تطبع فيها، ترسم على ورقة على الدفتر الشارع تبعها زي ما بدها. اللي عندها برينتر تقدر تطبع هذا الشارع، وبعدين رح تلاقوا في الدوكيمو إنه دي ليو، لا بولونجوري، لا باتيسوري، لا بوشوري، لا بونك، لا بوست، لا فارماسي، اي لا بيبليوتيك. بدي منكم تقصوهم، vous devez couper les lieux et coller sur la rue. تقصوهم، couper coller، couper coller، تقصو وتلزقو على الشارع كيف ما بدكم، رتبوا المدينة تبعتكم زي ما بدكم. et ensuite بدي توصفوا لي اياها oralement، oral شفهي. تمسكوا الرسمة تبعتكم أو المدينة، لزقتوها، بتحبوا تلونوها، ما بتحبوا. طبعا البنات اللي ما عندهم برينتر فيكم ترسموا الشارع وترسموا هدول المحلات، أو إذا ما صعب كتير ترسموها فيكم بس تكتبوا لا بولونجوري، لا باتيسوري، لا بوشوري، بس كتابة وتوصفوا لي اياها وتصوروا حالكم فيديو عشان بدي اشوف البرونسياسيون تبعتكم، بدي اشوف قديش اللفظ تبعكم تمكنتوا منهم بعد قديش سمعتوا الفيديو منيح هذاك الاسبوع وهذا الاسبوع، قديش تمكنتوا منهم. اذا دي دوفوار البلان دو فيل اللي بالكتاب بدكم تكتبوا عليها 3 لـ5 جمل، وشفهي بدكم تلزقوا مدينتكم تعملوها كيف ما بدكم وتوصفوا لي اياها شفهي مع فيديو وتبعتوا لي اياها على الماسنجر سيلفوبلي. الو سي تو بور اجوردي. الو اترفع لي في معكم ان سيمان، اسبوع لتعملوا هذا الشغل، فتدربوا منيح، ما تعملوا اشي شلفقة، حاولوا انه يكون مرتب، واهم اشي عندي اللفظ والجمل تكون صح، امتى نحط ارتيكل ديفيني ارتيكل انديفيني، وما تخلوا كل جملكم يكونوا اكوتي دو اكوتي دو اكوتي دو. بدي تنوعوا في البريبوزيسيون دو ليو، استخدموا entre, devant, derrière, à côté, en face, au bout de la rue. بدي تبدعوا فيه. Merci les filles. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et que c'était intéressant et pas trop difficile pour vous à comprendre. Et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Il y a 2 devoirs. Premier devoir, le livre. Vous faites activité, les 2 activités du cahier d'activité, et vous écrivez 3 à 5 phrases sur le cahier d'activité. Deuxième activité, sur un papier, vous dessinez ou bien vous coupez et collez la rue et les lieux de la ville. Vous décrivez votre vie oralement, oral, chafahi. C'est aussi full madine. Et vous m'envoyez sur mon messenger. Tu vas tout lire le messenger. Il vous dira comment tu as tout ce full madine. Et merci.